Bonjour futurs élèves du Collège d'Anjou. Je me présente, je m'appelle Annie Côté et j'enseigne l'univers social en deuxième secondaire. Je suis évidemment aussi une tutrice au Collège d'Anjou et je vais t'expliquer dans les prochaines minutes qu'est-ce que c'est le tutorat au Collège d'Anjou. Donc, au début de ton année scolaire, quand tu vas arriver en secondaire 1, tu vas prendre le temps d'observer attentivement tous tes enseignants. Donc, tu vas en avoir beaucoup, hein, parce qu'au primaire, on en a quelques-uns, mais au secondaire, on en a beaucoup. Tu vas prendre le temps de bien les observer et tu vas essayer de trouver celui ou celle avec lequel tu as beaucoup plus, peut-être, d'affinité. Cette personne-là va avoir la possibilité de devenir ton tuteur ou ta tutrice qui va te suivre pendant toute ton année scolaire. Donc, qu'est-ce que c'est un tuteur ou une tutrice au Collège d'Anjou? C'est un guide, c'est un soutien, c'est quelqu'un à qui tu peux te confier si jamais tu sens qu'il y a des choses qui sont hors de ton contrôle puis tu as besoin d'en parler à un adulte du collège. C'est quelqu'un qui va également te rencontrer une fois environ aux deux semaines et qui va regarder avec toi qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va peut-être moins bien, qu'est-ce que tu aurais besoin d'améliorer, qui va t'encourager à continuer ton bon travail ou encore qui va pouvoir te donner des trucs pour essayer d'améliorer la situation là, si jamais il y a des petits problèmes. Donc, ce tuteur-là que tu vas rencontrer une fois aux deux semaines, n'oublie pas que c'est aussi ton enseignant. Donc, tu vas pouvoir le croiser souvent dans tes cours puisqu'il t'enseigne pendant toute l'année aussi. Le tuteur, c'est également quelqu'un qui va pouvoir te permettre de faire le lien entre toi et ta maison, donc tes parents. Donc, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, bien, le tuteur, il va pouvoir communiquer avec tes parents pour essayer de trouver des solutions ensemble aux problèmes. La rencontre de parents également qui aura lieu au mois de novembre va se faire avec ton tuteur. Donc, tu vas accompagner tes parents et ton tuteur sera présent avec tes parents pour être capable de faire un portrait de toute la situation pour la première étape, donc lors de la remise du bulletin de l'étape 1. Donc, les tuteurs t'accompagnent pendant tout ton parcours scolaire au Collège d'Anjou. Tu vas avoir la possibilité à chaque année d'en choisir un nouveau. Et même en secondaire 5, quand tu vas être rendu grand, tu vas être pensé au cégep, il va quand même avoir un tuteur qui va être là pour t'accompagner. Évidemment, les besoins vont être différents, mais il va toujours être présent. Donc, j'espère que tu deviendras un de nos élèves au Collège d'Anjou. Je souhaite de passer une très belle journée.